Ah, quel plaisir de voir des commissaires compétents. Mange-toi tes pénas, Max. 20 secondes dans ta tronche. Magnifique. Alors là, 20 secondes en plus, c'est même pas 2 fois 5, c'est 2 fois 10 qu'ils ont mis. Exceptionnel. Bravo. Là, les commissaires, ils se sont rattrapés d'Austin. Hein. Franchement, bravo. Saints, vainqueur, bon, dominateur, hein, clairement, il a rien lâché. Norris, il a fait craquer Charles, mine de rien. Il a subtilisé la deuxième place. Leclerc, donc, a fait le meilleur tour à la fin pour reprendre un point à McLaren. Hamilton, il a galéré pas mal hein, derrière Russell, mais il a fini par trouver l'ouverture avec un beau dépassement à l'extérieur au premier virage. C'était propre. Puis après, il a creusé sur Russell qui apparemment avait un aileron endommagé. Verstappen, zéro rythme en deuxième partie de course. Il s'est même fait rattraper par Magnussen. C'était très très drôle, très comique. Dommage qu'il n'y avait pas un peu plus de tours. Piastri, 8e. Bon, bah, il n'a pas pu dépasser Magnussen. Bon, Piastri, carton rouge, hein, c'est qualif. Hein, il aurait pu servir à bloquer Max encore sur cette course au niveau des points, mais là, il sert à rien encore. Hein, à part pour le constructeur, quoi. Hülkenberg, 9e devant Gasly qui marque un petit point, le pilote alpine. Stroll devant Scolapinto, Ocon, Bottas, Joe. Lawson qui s'est illustré face à Perez. Mais bon, il a un peu pété son aileron sur Scolapinto aussi, Lawson. Il y a du bon et du moins bon. Alonso, DNF, on n'a pas trop compris pourquoi. Albon avec Tsunoda au départ, ça crache. Mais bon, faute à qui, je ne sais pas vous dire. Plutôt 50-50, je dirais. Pas de bol pour Tsunoda, deuxième crash en 24 heures. Il va commencer à coûter cher avec Herbe. Grand Prix sympathique. Hâte de voir la suite au Brésil. Bon, c'était pas la meilleure course, mais c'était pas la plus nulle non plus, loin de là. Et enfin, il y a eu une justice contre ce con de Max. Allez, bye.